Bonjour, donc depuis le début mars, je me suis installé dans une nouvelle maison où je n'avais pas assez de tableaux et tout ça. Donc pour les faire venir, j'étais un peu complexe. Donc j'ai décidé de peindre, j'avais de la peinture un peu, j'avais décidé de peindre sur les murs. Et donc vous voyez, dès le 17 mars, j'ai commencé à dessiner et j'ai imaginé représenter un peu le questionnement par rapport au virus. Qu'est-ce comment En fait, c'était aussi une façon de comprendre ce qui se passait et peut-être. Comme le virus en fait s'attaque à tout le monde entier, il fallait voir les limites de notre comportement globalisé en fait. Les échanges, ça travaille sur la communication, donc il fallait peut-être se transformer au lieu de se parler, mais d'être en connecté autrement. Peut-être qu'il fallait au lieu d'être devant, être dos à dos. Les objets comme ça, puis peut-être petit à petit imaginer une nouvelle danse. La jump qui nous empêchait de choper le virus, qui était, on pouvait se parler, mais en évitant le virus, en bougeant comme ça dans tous les sens. La jump, voilà, une sorte de chorégraphie nouvelle. Et puis deuxième, puis après, je me suis, enfin, j'ai complètement imaginé, dessiné sur tous les murs de la maison. Alors, vous allez voir un petit peu les petites choses. Voilà, donc j'ai dessiné toute l'histoire du virus. Et là, j'en ai fait quelques trucs. Après, comme je suis en train de faire un bouquin sur les virus et les bactéries en même temps, j'ai demandé quelles sont les formes, toutes les différentes formes de virus. Il y a quatre formes différentes. Donc, il y a l'Ebola, le complexe, l'hélicoïdal, le polyèdre, le sphérical. Les virus les plus connus, c'est les sphéricales, comme ça, voilà, celui-là. Voilà. Là, c'est un personnage qui est moi, en fait, c'est mon ombre. Ici, hop, vous voyez, comme ça, pardon. Ah, c'est mon ombre ici, et je suis. Et en fait, c'est les petits points rouges, c'est les points par lesquels les virus pourraient attaquer. Voilà. Après, je me suis amusé à peindre un peu partout, sur les toiles, sur les tapisseries. Voilà. Enfin, j'ai envahi, quoi. Voilà. J'ai fait une sorte de bulle, parce que, évidemment, on a. On est dans un moment où on imagine des bulles pour nous protéger. Donc voilà, le biotope, les petites bulles, c'était un petit teddy bear comme ça. Et après, en même temps, j'ai fait des dessins pour les puis des céramiques. Voilà, j'ai fait plein de choses. Je m'amuse beaucoup ici.